Est-ce que vous reconnaissez les amis, nous sommes à la villa des Prims de chez Prims. Les mecs, on est de retour à la villa. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog de UMS. Eh oh. Et on va lui faire croire qu'elle tourne. Ouais. Voilà les frères, là on est parti pour du gainage. Et voilà les sportifs. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis est un nouveau jour. Aujourd'hui on est de retour à la villa El Gato. Et du coup ce qui va se passer, c'est que là déjà je viens d'installer mon setup. Faut que je vous le montre parce que ça fait hyper beaucoup de temps que j'ai pas fait de vidéo irréelle, vlog, tout ça. Je vais vous montrer mon setup. Bah déjà j'espère que vous allez bien, je crois que je vous l'ai déjà demandé. Mais voilà, du coup je vais vous montrer le setup que j'ai fait vite fait à la villa El Gato. Donc j'ai pas encore tout installé parce que j'ai pas mes deux PC. Mais on est sur la bonne voie. Du coup voilà, là il y a le petit PC. Et ici on a mes écrans, mes claviers. Voilà, parce que vous savez normalement que je kiffe les claviers. Ça c'est une de mes plus grandes passions, les claviers et les souris, j'adore en acheter plein. Là j'en ai un autre et là-bas j'en ai un autre. Et du coup moi je suis arrivé là et j'ai vu qu'ils avaient repris la salle. Et moi j'avais fait de la salle déjà avant. J'avais fait même pas un ou deux mois, tu vois, mais je sais, tu vois, à quoi ça ressemble. En fait moi il y a eu trois périodes, genre première petite période c'était j'étais à la salle. Tu vois, donc je prenais soin de moi physiquement, je mangeais plutôt bien, je commençais à avoir du dos, des bras, tout ça, bref, c'était plutôt cool. Donc ça c'était la première période de la salle. Après ça, il y a eu quoi? Il y a eu le streaming les amis. J'ai repris les streams sur Twitch et à partir de ce moment là frérot, j'ai développé une carte fidélité Uber. Je faisais que de commander à manger, mais vraiment j'étais abonné frère. Tous les soirs c'était soit McDo, soit pizza, bref, c'est parti en couille. J'ai pris quelques petits kilos. Et suite à ça, je suis de retour à la villa et là, c'est le moment où on va redevenir stock. Là, c'est le moment où on va perdre les petits kilos qu'on a pris à cause de Uber et on va se remettre bien. Et du coup, voilà, mais pour ceux qui l'auraient pas compris, bah du coup, je ne vais plus au Maroc. Déjà, pour ceux qui savaient pas, je tenais à vous le dire. Avant, je vivais au Maroc. Voilà, du coup, maintenant, je me suis déplacé en France. C'est beaucoup plus facile pour YouTube, faire des vidéos, etc., d'être en France. Et du coup, voilà, je suis venu m'installer pour le moment à la villa. On va faire des vidéos à la villa, on va faire des vlogs. On va faire tout ça avec Srambad, Walid et tout, ça va être bien cool. Et j'espère que vous allez nous suivre dans nos délires, voilà. Du coup, si vous nous suivez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à m'exploser la barre des likes en SAR, ça ferait hyper plaisir d'avoir, je sais pas, 20 000 likes sur cette vidéo, vlog, ça ferait hyper plaisir vraiment. Que vous montriez que vous aimez les vlogs, tu vois, comme ça j'en fais plus. Eh hey, frérot. Eh hey, oh. Son gros crâne là, son crâne RGB. Vas-y, lève-toi ma gueule, on y va. Moi dans mon futur appart j'aurai un animal de compagnie. Je sais pas si ce sera Sram ou Walid, mais j'en aurai un. J'entends son cœur ronronner. Wesh. Eh, c'est un moteur de voiture, la vie de ma mère. C'est trop bizarre quand t'es sur lui. Je viens tout juste de l'avoir, ouais, j'arrive pas à m'en rendre compte frère. Le bébé dragon sur Clash Royale. Et voilà la victoire, on le termine aux fléchettes. Et merci la zone hein. Vas-y là on va aller devant la chambre de Sram. Et on va lui faire croire qu'elle fait, on va juste tous gueuler. Oh, ça pue un peu, oui. Il est venu. Il est venu. Il a couru. J'ai perdu la vie de ta mère. T'as couru comment? Frère, on dirait que je me faisais courser par 5 keufs. Et voilà, il est... J'ai couru avec rien pour stopper le feu. Juste pour voir. Je sais comment c'est. Donc, il a couru pour voir. Il serait plus, il serait pas. Vas-y, nickel. Regardez ma dégaine, les frères. On dirait que je vais taper un foot alors que je vais juste aller à la salle. Mes chaussettes remontées jusqu'au nombril. Mais là, mec, que j'ai acheté un casque. Non, voilà, il marche plus. Qu'est-ce qu'il a? Ça fait 3 jours que je le charge, frère. Ça marche pas. Le voyant, pas. Le voyant, il est vert en plus. C'est quelle marque? Je pense que c'est un... En fait, faut que tu le perds avec ton. Mais je l'ai fait justement et là, il a disparu. Ça fait vrai une semaine que. Vas-y, voilà. Ouais, c'est avec mon père. Hey, il est trop frais quand il y a de l'éclairage. La vue de ma mère, c'est chiant. Hey, tu sais que ta peau, elle a zéro défaut, genre. Ok, les mecs, là, on vient d'arriver à la salle. Comme vous pouvez le voir, on a carrément pris l'abonnement annuel, les mecs. Quand tu prends l'abonnement annuel, tu sais que tu vas te la donner, tu vois. Tu prends pas l'abonnement annuel pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, là, on va se la donner. Je sais pas à quelle heure on va rentrer, mais on va rentrer, on va transpirer. Faut transpirer, faut boire. Et je vous dis à tout de suite pour la séance. Voilà les frères, là on est parti. Fin du gainage, vous avez une très bonne vue. Hein. Ah, on est avec Walid Lassan, Anwar, on va s'adonner.
Je sais pas combien de temps je tiens en gainage, mais tu penses que tu tiens combien de temps? 1 minute 30 max. 1 minute 30? Ouais. Moi, t'en fais 2 minutes 30. Bon, ça, je sais vraiment plus. Moi, je sais plus, on va se découvrir là. Là, on est en phase de découverte de soi-même. C'est parti, t'es prêt? Allez. Vas-y, let's go. Voilà. Non, tes genoux, non. Comme ça? Voilà. Comme ça, tu le vois la caméra. Voilà, là, on est en bonne position. 45 secondes et on respire, les gars. On est à 25 là, les mecs. À ce moment, j'étais en train de mourir. Non, mais c'est. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, oui. Ça brûle, hein. Alors là, ça fait des douleurs. Ça brûle, hein. Monte tes genoux. Voilà. Encore 5 secondes. 5, 4, ouais, je vais à 1 minute. 3, 2. 1 minute, 1 minute. Vas-y, 1 minute, allez. 1 minute, voilà. Voilà. Corias. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On relâche. Et voilà, les sportifs. Salut, moi c'est Gilbert. Garen Petrozen de la Bacchanor. Ah, je vais pas tenir la vie de ma vie. Petit commentaire sur la série d'Aldo, les gars. Ça va être simple, il est 18h31. Là, dans 2 mois, j'ai les pecs à Shangli. Je vous nique tous à la bagarre. Là, je rigole. Ça. Non, ça explose. Hein. Ça brûle. Eh, voilà, ça brûle. Ça brûle trop. On sent qu'on commence à développer les abdos en ça. Ça développe. J'enveloppe comme Léo Messi. Bon, là on va faire les pecs, je crois. Non, on va faire quoi? Dans le dos, on a fait. Là, on va faire soit les pecs, soit les bras. Ouais. C'est parti. J'ai mis une musique épique alors que je soulève 5 kilos. La vie de ma mère, c'est pas une blague. Il y a 2,5 kilos à gauche et il y a 2,5 kilos à droite. J'ai des coups de courbature, c'est ça le problème. Je sens plus mes bras, frère. Ça y est, Kestia, il va te tomber sur la nuque, tu vas rendre un KO. Je vais m'écraser au sol. Tu vas tomber au sol. Autofocus. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez, mec, on vient de finir la salle. Là, Sarre, je suis mort. À l'instant même, je viens de remettre ma veste. J'ai eu mal quand j'ai remis ma veste. J'ai eu mal. Un coup de ouin ouin. Ah là, il s'arrête jamais, wesh. Hey, full courbature. Voilà, on dirait. Hey, je soulevais des poids de merde, frère. Parce qu'en fait, avant-hier, c'était ma première fois de retour à la salle. Frère, j'ai eu trop mal à cause des courbatures. On dirait que j'étais en Playmobil quand je soulevais les poids. La vie de ma mère, je soulevais rien. Et bref, du coup, là, on est en route pour aller à la Villa El Gato. Chose mignonne. Chose propre. D'ailleurs, les frères, donc là, ça va être la fin du vlog. On a reçu des petits habits prismes. Vraiment pas mal. On a reçu un jogging et le hoodie. C'est la nouvelle collection. Du coup, on va tester ça, hein. On va voir si c'est propre, tout ça. Je vais l'ouvrir. Et vous ne voyez pas mon corps, malheureusement. Mais vous allez voir, les sapes, apparemment, elles sont hyper propres. Voilà, ça, c'est le hoodie. Non, ça, qu'est-ce que t'as capuche crème? No joke, ils sont vraiment hyper propres. Et là, on a le jogging. Voilà, petit jogging. La qualité, elle aime l'air, frère. Ça sent le propre, ça sent le neuf. Le petit logo ici. Non, ça, ils sont propres de ouf. Du coup, petite transition, je suis magicien en fait, comme je suis marocain, hop là. Et voilà les frérots, petit jogging prisme, petit hoodie prisme, on est crème. J'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, petit pouce bleu. Oh, il a enlevé ses chaussures, il vous a pas dit, mais qu'est-ce qu'il... Oh, il kidnappe, voilà, ça, ça l'a pas lu. Tu m'imagines, ça sent quoi le putois? Ça sent la sécurité. Je t'ai pété dessus. Je l'ai envoyé un petit chien. Hey, il est bon qu'à lâcher des caisses la vie de ma mère. Je mets des pouces bleus. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, vous savez quoi faire. Bientôt 1 million, Inch'Allah, on espère. Ciao les gens, c'était YMS. Je l'ai envoyé un petit shield de 25, histoire de. Bisous.